Salut à toi, jeune étudiant. Ou vieil étudiant aussi, en fait. Ou étudiante. Ou étudiantire. Enfin bref, qui que tu sois, mais que tu sois à l'ULB, cette vidéo t'est directement adressée. À toi qui arrive, ou à toi qui hante ces couloirs depuis 2010 en attendant que ta thèse soit finie. Toi qui sais et non qui sache, ou qui ne sait pas, parce que soyons francs, l'orientation sur les campus de l'ULB, c'est un véritable enfer. Je vais t'expliquer ce que sont, mesdames et messieurs, roulement de tambour s'il vous plaît, les bibliothèques de l'ULB. Hein, quoi? Il y a plusieurs bibliothèques? Eh oui, Jean-Phi, hein? Bref, allons-y. Les bibliothèques de l'ULB, ce sont 5 bibliothèques principales. La bibliothèque des sciences humaines. Entre nous, on dit la BSH, mais si tu veux étaler ta culture comme de la confiture, c'est carrément la bibliothèque des sciences humaines Simone Veil. La bibliothèque des sciences techniques. La bibliothèque de droit. La bibliothèque des sciences de la santé. Et la bibliothèque d'architecture. Parmi celles-ci, 3 se trouvent sur le campus du Solbosch, la bibli de droit, la BST et bien entendu la BSH. La BSS, elle, se trouve sur le campus Erasme. Et la bibliothèque d'archi, tu la trouveras à Flagey. C'est quoi Flagey? Focus, les bibliothèques. Bon, il reste encore 2 bibliothèques spécialisées. La bibliothèque de pharmacie et la bibliothèque du centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité. La bibli de pharma se trouve sur le campus de la Plaine. Et le Cierl, juste en face du campus du Solbosch. Mais alors, on y trouve quoi dans ces bibliothèques? À la BSH, tu vas trouver des périodiques, des ouvrages et des mémoires sur des thématiques propres à de nombreuses facultés. Les facultés des sciences humaines, donc. C'est-à-dire... Information et communication. Économie et management. Psychologie et éducation. Art et archéologie. Philosophie, religion. Histoire, sciences sociales et politiques. Littérature et linguistique. Traduction et interprétation. Pour la trouver, rien de plus facile. C'est ce bâtiment-là. Juste là, celui-là, ouais. Ensuite, à la BST, tu trouveras des ouvrages, des mémoires et des périodiques sur des thématiques propres à de nombreuses facultés. Comme à la BSH, donc? Attends, sur des thématiques différentes de celles de la BSH et qui sont les suivantes. Physique, chimie, biologie, sciences appliquées, informatique, mathématiques, géographie, géologie, bio-ingénierie. Tu trouveras l'entrée de la BST sous le bâtiment D, ici. Juste là. La dernière bibli du Solbosch, qui est donc la bibliothèque de droit et criminologie, et dans laquelle tu ne trouveras pas des livres de cuisine. Elle se trouve dans le bâtiment H, en face de la BSH. Mais cette bibli-là, si t'es pas étudiant en droit, tu n'y rentreras probablement jamais. Sur le campus Erasme, tu trouveras la BSS au bâtiment D. Et si tu es étudiant sur le campus Erasme, c'est probablement la seule bibli que tu verras jamais, parce que ton campus se situe tout à fait de l'autre côté de Bruxelles. Vient ensuite la dernière du Big Five. La bibli d'archi à Flagey, dont tu trouveras l'entrée ici, et que tu ne pourras pas rater grâce à son énorme logo Bibliothèque d'architecture sur la façade. On a désormais fait le tour des 5 bibliothèques principales, mais il reste encore 2 bibliothèques. Le Cierl, qui est juste en face du campus du Solbosch, ici, et la bibli de pharma à la Plaine, dont l'entrée ressemble à ça. J'espère que cette petite vidéo t'a aidé et que tu te sens déjà un petit peu moins perdu. Si jamais tu veux retrouver certaines de ces infos, n'hésite pas à consulter le site des bibliothèques, je te mets le lien dans la description. Tu peux aussi bien évidemment nous suivre sur les réseaux, là aussi je te mets tous les liens dans la description. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo, surtout si tu connais des gens qui sont perdus, et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, aussi longtemps qu'on s'entend, qu'on partage, on vit ensemble. Tchuss!